C'est pour que nous capables de demander l'Esprit de Dieu pour capable aider nous. Faisons une courte prière. L'Éternel, roi de l'univers, nous te disons merci. Merci d'être ce que nous encore vivants. Grâce ou faveur, ça que vous faites, nous tout qui l'a. Si ce n'est pas grâce ou non, yon qui l'a, pas d'exister. Là, comme ça, vous avez même balayé nous. Dans le moment ça, papa, nous ne parlons pas de ça qui est ingrat. Nous voulons dire honneur, louange, gloire à vous-même pour ça. Nous allons entrer dans la parole. Nous demandons, papa, dans ton amour infini, pardonnez nos péchés, donnez-nous la puissance de ton Saint-Esprit. Sois avec nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui, Amen. frères et sœurs, puisque la dernière fois, nous avons fini avec Marc de la Bête dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Je dis à notre frontière retour dans le chapitre qui vient avant le chapitre 13, dans le chapitre 12, nous allons présenter les deux femmes de l'Apocalypse. Femmes, ça y est, nous joignons une dans femme, c'est dans le chapitre 12, et nous joignons l'autre femme dans le chapitre 17. Donc, nous avons commencé le sujet aujourd'hui. Hein? Nous avons présenté, nous avons introduit les deux femmes de l'Apocalypse. Nous allons faire un parallèle entre deux femmes, nous avons introduit. Donc, avant que nous entrions dans le sujet, hein, dans tout qui est là, nous connaissons l'histoire de Salomon. Quelle histoire qui rend Salomon, il te paraît un homme sage, qui te fait Salomon célèbre, elle t'a commencé en tant que roi. Est-ce que quelqu'un songe à l'histoire ça là? Hein? Il avait réglé un conflit entre deux mères. Bravo, Leur ça, enfant. c'est bien, c'est bien. Ok, est-ce que vous connaissez qui côté histoire ça a trouvé dans la Bible? Donc, vous connaissez que fois ça a dit c'est trop. Oui, c'est dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, les versets 16 à 28, la Bible nous raconte cette histoire de deux femmes. Deux femmes, ça y est. Yo te rive kote ke yo te habite nan menm kay. E yo tou le de te ansen debi yo vin genyen pitit yo. Pendan ke yo tou le de gen pitit yo vin gon famine, pa gen manje, moun vin ap manje moun. An Israel, se te tris nan epok lan. E finalman ki sak pase kon ya la bagay yo te tre dur osi. Men gen yon bagay ki vin prezante. Kote ke yon de gen pitit li an ba vant li kap domi epi ti moun sa li mouri. Padan ti moun nan li mouri, piske ti moun yo te fet anviron menm tan, li veye maman kap domi an ki sal fe, li pren ti moun nan ki vivan, li mette an ba vant pali, pitit li ki mouri al mette an ba vant lot la kap domi an. Lorske jet lot lan kle, donk al istwa la nan 1 Roi chapit 3, Et puis, il prend soin de les garder. Mais maman, nous connaissons maman et petite qui ont une relation, un lien quelque part. Il dit, ouais, c'est pas petite, là. Et puis, il dit, non, ça, c'est pas petite, moi. Et puis, il prend soin de les regarder encore. Il regarde, il dit, non, 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 ça, c'est pas petite, moi. C'est pas maman, ça. Baron, ainsi que fils, ça, c'est tellement intelligent, il était changé, rad là. Baron, ça le fait. Mais, Li tre medam. Lot la di non, epi li menm li kampe l fe jel bien chèche nan wada isen, li di, oui, se mon fils. Lot la di non, li di, non, se petit po, sa e, sa se pam nan, li vole petit pa lot la. Finalman, diskusyon, non, se pam, lot la se petit po, oui, se petit po la, non, sa se petit pam. Finalman, nan jwen ke bagal arrive devan wa salo. Lorsque yo présenté devant roi Salomon deux femmes sa yo, yon ti moun vivant yon ti moun mouri, discussion, sa petite li a voulu al pif a fait pi gros discussion. Et Salomon dit bon, pour résoudre problème non? Soldat, il est un soldat. Et puis il dit viens avec épée. Et puis il dit ça qui passe, ti moun sa ki vivant li même non pa le couper en deux, n'a bay chaque moun moitié et puis la paix. Est-ce que vous entendez? Et puis ça,
Sa li menm koun ya la, ki sak pase koun ya la, pitit lan, se pa pou li ya, kap di se pou li ya, li di, oui, nou pa gen problem, nou met koupel, nou met koupel. Sa maman li pou li ya li menm, li di, non, ou li nou fe sa, nou met balil, nou met balil. E pi sa loman di, bon, mken be menteuse la. Dam sa kap di, nou met koupel la, kap di, pitit li ya, nou met pran, se li menm kap bay menti. Arrete lou. Donk finalman, yo dekouvri ki eskite vre mer la. De menm ke, nan tan ke nou aviv lan osi, nou we genyen de fam nan Apokalips. Yon la dan yo ap bay manti, yon la dan yo genyon verite la preche. Kesyon numero 1. Lorske nou prenon fam dan la Bib, ki sa nan Apokalips la fam li reprezente, ki sa l simbolize? Hein? L'église. Bravo, c'est Fabien. Nous tout, non, su que nous avons une réponse. Hein? La femme ni symbolisait qui ça? L'église. Est-ce que nous avons joué un texte biblique pour montrer que la femme représentait l'église? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, nous avons prouvé que, est-ce que nous sommes capables de joindre 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2? Ephésiens 5, 22, 23. Des fois, nous avons un problème monde pour lire. Nous avons un Amen. problème monde pour lire. Nous avons ce Sarah, ce Fabienne, ce Sandra. C'est 2 Dans Corinthiens. 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, qui s'en lit? Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Donc, la femme, Paul dit là, lui-même, les fiancées, l'église, avec qui est-ce? Avec un seul époux. Pas deux, pas trois, non? Un seul époux. Qui est-ce? Qui c'est Jésus-Christ. Actuellement, il y a mon cap dit l'église, Jésus, c'est Maria, il c'est Madame. Non, mariage n'a pas encore fait. Lorsque nous avons étudié 1 000 ans dans le ciel, nous avons dit que Nos agneaux la fête pendant millénium dans le ciel. Là. Actuellement, l'Église dit fiancée avec Jésus. Lorsque nous allons dans la tradition juive, là, donc, lorsque un monsieur est fiancé avec madame, ni, dans le temps Jésus, hein, qui s'est offert, après le fiançage, là, monsieur a fait caille pour madame. Ni. Immédiatement que le fin fait caille pour madame, ni, kounia, lorsque caille après, il vient le marier, il mène madame ni, la caille. Donc, c'était comme ça, c'est même bagarre là, l'Église actuellement, les fiancés avec Jésus. Et dans Jean 14, verset 1 à 3, Jésus dit, regarde, que nous troublé, qui ça le fait? Là, le prépare en place. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22, 23 aussi, il dit que, messieurs, de même madame, yo, même Jean, avec qui est-ce? Avec Jésus-Christ, parce que Jésus lui-même, il est chef de l'Église là, de même que l'homme, elle est chef de la femme. Donc, nous joignons aussi, dans Osée chapitre 2, verset 21, la Bible dit même bagaille là pour montrer que l'Église est pour le moment la fiancée de Jésus-Christ. Donc, puisque nos jeunes femmes qui sont familles, viens entrer dans le chapitre là, viens entrer dans le chapitre là direct pour que nous avons bien temps d'entrer très fort dans le sujet, non, dans le chapitre 12. Non? On va voir les rapides, mais nous voulons aussi que vous compreniez. Nous voulons que vous compreniez. Là, nous traitons le sujet, nous ne voulons pas comprendre le sujet. Nous avons titre là, dans chapitre 12, Apocalypse, c'est dit la femme et le dragon. Puisque nous avons la femme, le dragon, qui est ce dragon? Le dragon lui-même, nous tout qui là, nous connaissons que le dragon, c'est qui est-ce? C'est le diable. Dans le même chapitre 12, non, sous besoin le dragon, qui est le diable, c'est dans le verset 7, chapitre 12. Nous voyons que, et il y a guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, nous voyons que, dragon lui-même, verset 9, là, il fut précédé le grand dragon, le verset 9, et il fut précédé le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc, nous voyons joindre deux acteurs, ça, nous joignons la femme, nous joignons dragon, qui c'est qui est? Le diable, Satan. Ah non, entrer dans le sujet, elle dit que un grand signe
parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Un grand signe, frères et sœurs, lorsque nous avons étudié la parole, nous avons dit que le Nouveau Testament est écrit dans quelle langue? En grec. Lorsque vous avez un signe ici en grec, c'est Séméon. Séméon aussi capable de traduire comme un miracle, comme un marque. Même mot Séméon, ça, c'est lui-même qui en signe. OK? Qui côté signe apparaît? Dans le ciel. Lorsque nous avons étudié la Bible, étudiant de la Bible, combien de ciel nous avons dit qu'il y a? Toi. Bravo. Est-ce que vous songez trois ciels, ce Farah? Ce Fabienne? C'est bien. Vous jouez trois ciels. Côté que dans la Bible, il est très clair. Donc, on a que gagné trois ciels. Lorsque Paul lui-même était gagné en rêve dans 2 Corinthiens. Toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Vous allez annoter dans chapitre 11, verset 2. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. L'autre chapitre là. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Paul dit que il était ravi dans une vision côté que il y a un monde qui était trouvé dans le troisième ciel. Donc on a gagné trois ciels. Atmosphère, ça que nous avons gardé en l'air là. Votre ça lui-même. Firmament, ça à côté des oiseaux à voler, à voler le ciel. Deuxième, dans le même côté que nous jouons étoiles, planètes, il y a les mêmes, il y a le deuxième ciel. Et troisième ciel, là, les mêmes, c'est côté bon Dieu, lui-même, il y habitait. Donc, on a Jésus dit notre Père qui est, qui côté? Notre Père qui est où? Au ciel. OK? Lorsqu'il dit ça, il localisait côté papa, il y a trois nids, dans le ciel, là. Oui, bon Dieu, tout partout, mais bon Dieu, il y a trois nids, un côté qui est dans le ciel, là. Paul de joindre nos visions dans le ciel là. Troisième ciel. C'est dans le ciel ça. C'est là que Jean lui-même dit qu'il a une vision ça. Et qui ça doit dans la vision? Il y a une femme. Femme enveloppée de qui ça? Enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Lorsque nous voyons le soleil dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui ça soleil représenté? Soleil dans Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12, c'est la gloire de Dieu. Le soleil aussi, dans Psaume 119, verset 105, qui ça lui dit? Psaume 119, verset 105. Je dis, on n'a pas parlé, on n'a pas fait étude là, en direct, on voulait converser entre nous aussi en tant qu'étudiants, parce que nous déjà apprenons presque clé livre Apocalypse. Nous avons une clé, nous avons un cas ouvrir. Donc, on a signification bagaille. Lorsque, dans Somme 119, verset 105, qui ça le dit? Ta parole est quoi? Oh, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu, c'est qui ça que la parole de Dieu est? C'est le soleil, la gloire de Dieu. Donc, ici, lorsque nous voyons, femme dans l'enveloppe du soleil, soleil ici qui est la parole de Dieu, qui symbolisait la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nouvelle alliance là. Parole là qui, dans le Nouveau Testament, que Jésus qui est la lumière du monde aussi, l'hypothé, banon, dès que nous jouons le soleil qui symbolisait quoi? La lumière, la gloire de Dieu, d'après Psaume 84, verset 12. Et aussi, nous voyons que la parole lui-même, c'est lui-même qui, soleil là aussi, mais le Nouveau Testament. La lune sous ses pieds. Qui représente la lune? Donc, il y a un monde là qui a fait étude ça déjà. La lune lui-même, c'est qui ça le représentait? Hein? La lune lui-même, c'est
toujours parole là, mais nous connaissons que ça, c'est système Ancien Testament, Ancien Contrat. Qui côté la ligne n'a joué le miel, frères et sœurs? Qui côté la ligne n'a joué le miel? Éclair soleil là. Bravo, c'est dans le soleil là. Donc, nous jouons que lorsque vous allez ou allez, vous apprenez que dans l'Ancien Testament, toute notre habitude d'ancienne alliance, c'était l'homme des choses à venir. Colossiens expliquait ça dans Colossiens chapitre 2, c'était l'homme, tout homme ça, tout sacrifice ça, qui était fait dans l'Ancien Testament, il a tout annoncé qui est. Il a tout annoncé Jésus, c'était quoi? C'était le type. Jésus, c'est l'antitype. Donc, nous voyons que dans tout temps ça, ancien système, là, l'une là, il représentait toujours parole là, mais dans ancienne alliance là, alliance qui est Beyrouth, nous avons étudié, ancienne et nouvelle alliance, nous avons étudié sujet ça dans ligne là. Donc, nous n'avons pas oublié ça qui est passé 7 mois, mais nous avons étudié ancienne et nouvelle alliance. Donc, venons continuer avec acteur, nous finissons, nous prenons soleil, et puis, on y a qui ça le dit encore? Toujours dans le premier verset, chapitre 12. Sous ses pieds est une couronne de 12 étoiles. Couronne. Lorsque nous prenons le mot couronne en grec, nous joignons deux mots. Gain Stéphanos et puis gain diadema. Lorsque nous prenons Stéphanos lui-même, c'est une couronne yo bay avec moun sa qui sorti dans la ligne royale. Donc, nous voyons Jean l'utiliser Stéphanos ici. Pour que nous jouons que couronne ça lui-même, qui côté couronne nan lié, en couronne comment qu'il a donné? 12 étoiles qui était sous tête li, en couronne de 12 étoiles. Lorsque nous prenons étoile, qu'est-ce que signifie étoile? Dans la Bible. Pour étoile, nous sommes capables de lire ça. Si nous allons chercher pour étoile, dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 16, lorsque nous prenons étoile, nous avons dit étoile aussi, c'est des anges, des messagers. Mais ici, lorsque nous jouons, nous parlons de 12 étoiles, c'est symbole de quoi? Dans l'Ancien Testament, nous jouons le chiffre 12, et dans le Nouveau Testament, nous jouons le chiffre 12, c'est le chiffre de leadership. Côté que nous joignons, t'as gagné combien de tribus? 12 tribus dans l'Ancien Testament. Et bien, ouais, nous joignons les 12 patriarches. Et aussi, dans le Nouveau Testament, nous joignons qui est-ce qui t'a prêché l'évangile là, qui pouvait moi-même avec vous. Nous joignons l'évangile aujourd'hui. Qui est-ce qui devient avec l'évangile là? C'était les 12 disciples. Quel que soit le monde qui l'a, nous joignons le message là à travers qui est-ce? Message là prêché à travers les 12 disciples. Si vous comment aller en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, vous pouvez moi-même avec vous, nous joignons le message là. Peut-être c'est deux Jean, deux Jacques, deux Pierre. Non, toutes nous venons de ça là. Donc, nous joignons 12 là lui-même, qui c'est l'Église de Dieu aussi, dans l'Ancien, et aussi dans la Nouvelle Alliance là, avec les disciples. Ancien, c'était 12 tribus qui étaient représentées. Royaume bon Dieu, le peuple Israël là, l'Église, le peuple Israël. Nous venons de joindre les 12 disciples avec la Nouvelle Alliance là, la Nouvelle Église. Donc, venons continuer pour nous voir qui ça que nous avons découvert dans le chapitre là, toujours de femme ça. Nous voyons que femme ça lui-même, ça veut dire son femme qui est pure. Hein? Femme non pure. Femme ça qui est pure, là, qui est enveloppée de soleil, ça veut dire l'éclairée. Lumière, mon Dieu. Nous voyons que femme ça, son femme, lorsque nous voyons purité, femme, ça veut dire son femme qui a fait ça, bon Dieu, mandé. C'est l'Église, bon Dieu, femme, ça a représenté. Donc, dans verset 2, elle dit que femme, non, t'es enceinte. Ça signifie elle était enceinte. Ésaïe 66, verset 7-8. Dans mon monde libre, Ésaïe 66, verset 7-8. Ça symbolisait condition, peuple, bon Dieu, persécution, souffrance, peuple, bon Dieu, t'es qu'on prend, frères et sœurs. L'Église, notez bon histoire l'Église dans Apocalypse chapitre 6, comment que l'Église était persécutée de 538 à 1798, il y a une prophétie, non, tout qui l'a une prophétie, ça. Hein, qui s'est passé? L'Église était persécutée pendant un temps, d'être dans la moitié d'un temps, non, parler de prophétie, ça, assez, nous n'avons pas besoin de bon détail. Donc,
C'est enceinte. Est-ce que vous êtes capable de lire pour nous? Ésaïe 66, verset 7-8. Amen. Amen. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose. Qui a jamais. Amen. Oui. C'est bon. Mais ici, nous voyons que l'Église lui-même, ça c'est douleur que l'Église t'a pas le point. Mais il y a un bagage qui vient dans ce chapitre-là. Il dit que elle était enceinte et elle criait en temps en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Qui ça l'Église t'a pas l'enfanté? Qui ça l'Église pour le prêcher? Là, il y a une controverse quelque part. Qui est-ce femme ça d'avoir le fait? Qui est-ce d'avoir le présenté? C'est Jésus, pendant que c'est Jésus qui chef l'Église. Et l'Église, pour le présenter, qui est-ce? Jésus au monde entier. Dans verset 3, nous avons un autre signe. Un autre signe paraît encore toujours dans le ciel là. Hein? Il y a un grand dragon. Nous déjà ouais qui est-ce qui est le dragon. Dragon a gagné 7 têtes. Même bagaille. Hein? Et 10 cornes. Et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Chers frères et sœurs, est-ce que nous là? Amen. Dragon a gagné combien de têtes? 7 têtes. Voilà que dragon, ça a voulu utiliser une autre femme. Et femme, ça a voulu chita sous 7 collines. Sept collines, ça y est, allez, nous voir ça dans le chapitre 17 là. Sept collines, ça y est, nous voir qui femme que liée. Et sept têtes là, non seulement ça a bien 10 cornes. Les 10 cornes, qui ça 10 cornes représentées? Hein? Aussi dans le chapitre 17 là, sinon pour le chapitre 17 là, parce que la Bible expliquait tête là, hein? Dans le chapitre 17, verset 12, Apocalypse, chapitre 17, verset 12, il dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Les 10 royaumes. Songez que, non, quoi que Pasteur Wass a étudié 10 royaumes occidentaux qui t'ont supporté la Rome. Nous songez 10, hein, orteils qui étaient dans la statue. 10 royaumes occidentaux, nous songez yo. Et qui t'ont noté, ouais, c'était anglo-saxon, c'était grande bétail, la France, l'Allemagne. Hein, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, Ostrogoth qui était détruit, Vandale qui était détruit, Portugal, Genève lui-même qui était détruit. Donc, nous avons étudié bagaille dans le livre Daniel là, déjà. Et nous apprenons statut, hein. Ouah, t'es un rêve là dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Mais lorsque nous parlons de sept collines, nous parlons, c'est sept collines que deuxième femme, dans le dragon, on va l'utiliser dans le chapitre 17, là, que le chita sur yo. Sept collines, ça yo, sous moi, d'un qui est-ce que vous voyez. Tout le monde connaît que la ville de Vatican, à Rome, l'y bâtit sous combien de collines? Les sept collines. Sept collines, yo. Vous pouvez mettre sept collines Vatican dans Google, ou abjoignez yo. Non, joignez yo, Laventine, Calice, Capitole, Esquiline, Palatine, Quirinal, Viminal, nous avons besoin de sept collines que femme ça, les chita sur yo, que si ça, les mêmes dragons, c'est femme, l'autre femme là, qu'elle va l'utiliser, qui les mêmes en contradiction avec la femme qui c'est l'Église des dieux. Nous avons besoin que ça, que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Lorsque nous voyons que, c'est quoi ça? Ça, c'est mensonge que le diable lui-même les voit l'utiliser pour le capable de séduire les anges dans le ciel. Lorsque nous voyons étoiles, nous disons c'est qui ça? Nous dit d'après Apocalypse, chapitre 1er, verset 16, qui ça étoilier? C'est les anges ou bien messagers. Donc, nous voyons que le diable lui-même était séduit dans le ciel-là, on tire des anges avec. Lorsque le débat a menti, faire connaître le meilleur gouvernement que le gouvernement Jésus a.
Donc, femme ça ici, nous voyons que femme ça, disons l'autre femme lui-même, qui va le camper dans le chapitre 17 là. Nous voyons que femme là, il est pour le parti lorsqu'elle finit d'enfanter fils lui, verset 5. Elle enfante un fils qui doit paître toutes les nations. Dans son génère de parler d'aller à des fils ça qui va le venir, c'est qui est-ce? C'est Jésus aussi. Nous voyons lorsque femme ça, depuis dans Bereshit, le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Nous avons une histoire femme, ça, côté que nous avons une histoire ça, qui est présentée dans Genèse 3, verset 15, postérité femme. Nous avons une histoire qui ne s'est pas fait. La blessée talon, postérité femme, non? Et qui ça, postérité femme, n'a fait? Hein? La crasée tête serpent. Nous avons que c'est même bagaille qui a répété. La Bible répétait tête li et la Bible expliquait tête li. Donc, verset 6, on dit que. Femme, ça, lui-même, lui aller dans le désert, non, t'explique au désert, ça, qui t'est préparé pour femme, non? Non, t'es bon, histoire, comment que l'église t'est quitté Europe, non, t'es bon, à Néo, souvent, quel sujet, ça, va jouer dans le sujet, on avait étudié la marque de la bête, non, t'es bon, comment que femme, non, la terre, lui-même, qui symbolise les États-Unis, les messieurs, t'es prend, bateau fleur de mer, qui t'est Hollande, ont débarqué à Massachusetts, non, t'es bon, comment que l'église t'a persécuté. Donc, deuxième femme là. On va venir avec plus de détails. On a présenté l'introduction deuxième femme là dans le chapitre 17. Dans le chapitre 17, nous venons l'autre femme lui-même qui présentait dans le livre Apocalypse. Là. Donc, venons voir comment femme ça lui-même l'est habillée. Lorsque dans le chapitre 7, là, 16 là, nous allons étudier le chapitre 16 là aussi lorsque nous parlons parler de. Ah, les fléaux, les plaies qui viennent pour venir. Les sept fléaux, les sept plaies. Dans verset, chapitre 17, là, il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. OK. Qui est représenté? L'eau, est-ce que nous avons de l'eau dans le livre Apocalypse là? Hein? Verset 15 là, dans le chapitre 17 là, on va l'expliquer. Lui. Apocalypse 17, verset 15, qui ça dit? Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Dans des valeurs de 10 royaumes, ça a supporté 10 rois, ça cap supporter royaume ça. Donc, chers frères et sœurs, lorsque nous avons de l'eau, ça représente peuple. Nous voyons que femme, ça, lui-même. Puis nous continuons, chapitre 2, verset 2, chapitre 17, verset 2, c'est avec elle, toujours prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. À nos fronti campé là. Il dit que femme ça lui-même sont prostituées que Dieu. Ça veut dire qui sa femme représentait encore? On te dit L'Église. l'Église, c'est pas vrai? Donc, et verset, non, verset 3, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et en sept têtes et 10 cornes. Ouais? Sept têtes d'une codie qu'on a les retourner là encore. Côté que dans les entourés dragon, ça veut dire ni dragon qui c'est le diable, avec femme ça, yo c'est yo seul, yo marré, cœur, ventre, yo tout marré ensemble. Yo gen même bagay yo. Femme ça, elles sont prostituées. Lorsque nous parlons de prostituées, pour étudier la Bible, dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 2, et puis verset 15, dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 2 et puis le verset 15, nous voyons que lorsque le peuple bon Dieu a été trouvé à faire ça qui mal, il était entré à suivre Baal, adorer faux Dieu, la Bible Ézéchiel dit que le peuple là, lui, entré dans prostitution, lui, prostituer lui. Ça veut dire l'église ça qui sont prostituées. Avec qui est-ce que ça, les prostituées? Nous voyons que tout grand roi la terre. Hein? Question.
Tout gros président, tout grand roi la terre, les abnommés, dans qui l'église y allait, l'église adventiste ou bien dans l'église Vatican. catholique Vatican. C'est ça. C'est bien, non, ouais, que toute nation, hein, qu'est-ce que signifie catholique, frères et sœurs? Ça veut dire son femme cap universelle, toute nation a marché d'elle. C'est ça, mot catholique, la signifie, universelle, tout le monde a marché d'elle, et tout grand royaume, il pour aller a livré à impudicité et 20 impudicités. Lorsque nous voyons ouais, 20 dans la Bible, ça représentait enseignement. 20, c'est enseignement. Et lorsque nous voyons ouais, 20 comme enseignement, nous avons dans Luc chapitre 5, verset 37. Vous prenez note, pour nous aller loin, nous parler tout verset écrit. Lorsque nous voyons ouais, 20, qui ça me dit 20 représenté? Enseignement d'après Luc chapitre 5, verset 37. Donc, lorsque on parle de faux enseignement, ça veut dire femme, ça a une équipe mensonge que le poil enseigner. Femme, ça a premièrement, comment elle est habillée? Hein? Comment femme n'a été habillée? Qui couleur qui sous femme n'a? Nous voir avec moi, non? Cette femme assise une bête écarlate, verset 3, pleine de noms, écarlate. Lorsque nous prenons écarlate ou bien rouge, couleur rouge, hein? Qui représente la couleur rouge dans la Bible? Poupe, qui représente la couleur ça? Qui représente? Vino Frontivale, je dis à nous que nous avons parlé entre nous. Lorsque nous avons la couleur rouge, ça représente qui ça? Mensonge, Péché. péché. C'est ça. Apocalypse, Ésaïe, chapitre 1er, verset 18, qui ça le dit? Est-ce que vous avez Ésaïe, chapitre 1er, verset 18 pour nous? Ce fera bien. Bien n'importe qui je n'ai. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Si vos péchés sont rouges comme. Ah, je dis à les mondiaux, maintenant. Amen. 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 Oui. Venez Vas-y. et plaidons, dit Hein? l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont Amen. rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Vine plaider, frères et sœurs. Et ça, l'Éternel dit. Donc, on joint que femme, ça. C'est couleur ça, la babillée. Dame est non très intelligent. Tout gros monsieur qui caille femme ça, tout papio, regardez qui couleur papio qu'on habille. Ce qu'on y a essayé de changer rad, mais l'on est dans le Moyen-Âge. Tout monsieur ça, c'est toujours couleur poupe, c'est toujours couleur ça qui souille. Hein? Et époque ça, pour qu'on ait l'église ça, les gens t'ont fait vision ça. Li wè ke fam sa, li gen kouler sa sou li, epi li gen non blasfem. Ki sa ki blasfem? Non te palo de blasfem, e va vre? Non te di ke blasfem, se le yon moun li vle pran la plas de Diyo. Non te bo, Jezu fe mirak, e Jezu kon yala li di te peche, ki sa? Te son pardonne, li Pardon. di... Et puis, qui s'est passé? Juif, qui était là, il dit qui ça? Blasphème. Blasphème, c'est lorsqu'on veut prendre place, bon Dieu. Et lorsque nous avons étudié la marque de la bête, il y a une définition pour fils vicaire, qui c'est en tête là, qui écrit Filideia, nous avons ça, Vicaris Filideia, c'est le fils vicaire de Dieu, c'est représentant Dieu sur la terre. Nous avons dans Tiar, ça lui-même, il y a trois étages. Ça veut dire pouvoir dans le ciel, sur terre et sous terre. Il y a trois pouvoirs, et ça, il dit. Et il dit, c'est eux-mêmes qui c'est Dieu sous terre, l'Église, ça. Toujours l'Église catholique. Pour dire que avec système, ça, avec représentant, yo. Donc, non, je ne que femme, ça. Il dit que les habitants de la terre, ils ont tout, ils ont livré qui côté? Ils ont enivré, ils ont bu du vin, hein? Non, je mon yo sou. Et femme ça qui vêtit, dans verset 4 là, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, des pierres précieuses. Waouh!
Hein? Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impiétés des abrutis. Sur son front était écrit un nom, un mystère Babylone, la grande, hein, la mère des impudiques et des abominations, etc. Donc, s'il c'est maman, ça veut dire qu'il y a un petit, c'est pas vrai? Côté femme, ça a eu une petite ça. Qui enseignement qui fait que femme, ça a les mêmes messages liant? On dit que 20, c'est mon yo enivré à message. Qui genre d'enseignement l'église a prêché mon yo? Qui fait mon yo abdomi à mensonge ça? Est-ce que nous avons quelques là-dedans yo? Hein, quelques mensonges que l'église catholique a enseigné. On va aller direct. Donc, on n'a pas un problème avec monde qui est dans la religion catholique. On a plein de femmes même qui sont dans la religion catholique. Mais on a un problème avec enseignement. 20 ça que yo a prêché, au message a prêché qui pas dans la Bible. Quelques messages. On connaît que nous connaissons. Non, en pile, nous qui là, nous sommes catholiques. Hein? Quelques bagages qui vont dans la Bible. Ou ka vin konfese peche ou devan pe, ki ka padonel. Ou ka C'est adore ça. mari, C'est ça. le maman bon Dieu, et puis yo meton pil sen, yo di ki ou ka vin la priye nan pie. Bravo. Donc, ça, c'est des mensonges. Donc, voilà avec verset biblique pour nous montrer ces mensonges. À nous prendre. Lorsqu'on lève en l'homme, il dit pour elle le Père. Dans Matthieu 23, Jésus dit par les personnes sous la terre, Pierre, Père. Matthieu 23, va après ça. Jésus dit par les personnes sous la terre, Père. Un seul Père que nous gagnons. Qui est-ce que lui est? Notre Père qui est aux cieux. C'est ça que Jésus dit, non? Matthieu 23. Sinon, vous voulez me le verset à nous. Et Mounsa dit pour elle au Père, premièrement. Ou après elle en l'homme, Père. Et comme ce nom dit, l'offre qu'on a appelé au Père pour dire mon Père, moins péché. Hein? Ça, c'est blasphème. Dans Matthieu 23, verset 10. Attendez, oui, monde qui l'a, souvent, monde qui a appelé, monde, ça est au Père. On voit ça, Jésus dit. Hein? Verset 9. Matthieu 23, verset 9 et 10. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. OK? Donc, nous allons appeler monde, ça est au Père. Nous allons dire, moins, non, Père, moins péché. Ça, c'est abomination. Et Père, ça, en pile là-dedans, c'est des pédophiles. En pile là-dedans, c'est homosexuel. Et vous pouvez dire, mon Père, moins péché, ça veut dire, là, nous venons que ces mensonges, vous faites connaître, vous même le péché, vous demandez au pardon, il y a bruit ou après. Quand vous avez dit au péché, vous avez dit, vous avez fait visite, il y a bruit oui. L'autre bagaille qu'ils ont fait, comme ce nom dit, ils ont pris un monde, ils ont dit que, qu'on n'y a non pas besoin de demander, mon Dieu, pardon, au nom de Jésus encore, c'est pour nous aller mettre à genoux, pour nous confesser devant qui est, devant Marie, non prier, mon Dieu, au nom de Marie, that's it. N'a pas dit, maman Marie, priez pour nous. Et la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5-6, il y a combien d'intermédiaires, médiateurs qui gagnent? Un seul médiateur qui gagne entre le ciel avec l'homme, comment relève? Jésus. Jésus, Yahshua. Donc nous avons dit, Vierge Marie, priez pour nous. Hein? Nous avons dans le tombeau. Puis gros mensonge que l'Église a enseigné, et puis petite fille, ils continuent à enseigner. Ils fait connaître, mon mourir pas mourir vrai. Premier mensonge que le diable était prêché dans le jardin d'Éden. C'est pas vrai, Ève. Dans Genèse 3, pas vrai, ou pas mourir. Pour ça, tu es capable de montrer l'immortalité de l'âme qui s'enlève, il faut qu'on ait l'enfant, même quand l'enfant va bien mourir. Ou va bouler, ou va bouler, ou va bouler, toute vie, ou va bouler, ou va bien mourir. L'a montré l'âme est immortelle. Les notes d'avaient étudié les morts, notamment dans Ézéchiel 18. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Pas qu'il y ait un monde qui va mourir, frères et sœurs. Donc, nous venons jusqu'ici. Ils ont fait ça qui est l'épigatoire. Un bagage qui va même exister dans la Bible. Ils ont inventé lui. L'homme mourit sous tes fait mal, ou dans l'enfer, sous tes entre deux, ou dans salle d'attente qui est l'épigatoire, sous tes fait bien, ou al direct dans le paradis. Donc, son j'aime te une histoire, moine tête zèle, hein. L'Église catholique t'a employé moine tête zèle pour enseigner qui ça? Indulgence. Côté que moun t'a payé cob pour étirer famille dans l'enfer, mettez-vous dans l'épigatoire, payons l'autre cob de l'épigatoire, voyez moun dans le paradis. Vous êtes capable de bâtir Saint-Pierre de Basilique qui est à Vatican, il y a l'or, il y a toute pierre précieuse, nous avons besoin d'un bagage ça.
Hein? Vin fait que bagay sa yo, c'est des mensonges. Je non joine l'église protestant yo, petite fille yo, puisque c'est la mère liée, mère la gen petite. Petite fille yo vin continue à prêcher qui ça? Avec Jésus, bagay la mort, c'est faire manger, ouvrir dans le ciel. En pile monde, yo connaît, oui, un tel qu'on y a le mot, vient pasteur à prêcher, un tel déjà dans le ciel. Songez, nous avons étudié les mots. Nous te voyons dans Ecclésias 9, verset 4 à 7. Les mots ne savent rien. Et l'Église a dit, ce n'est pas vrai. Et toute petite, vous continuez à enseigner même bagaille là. En nous, par exemple, Johnny. Johnny, ses voisins. Ou invitez Johnny dans l'étude, ça ne va pas intéresser. Ou invitez Johnny dans l'étude, ça ne va pas intéresser. Ou invitez l'en croisade, ça ne va pas intéresser. L'on parle de l'évangile, d'où l'on parle de ça. Johnny mourit. Maman a le baillon, père ou bien pasteur, ça a un petit corps bouchant enterrement. Oh, Johnny déjà dans le ciel là, pour le moment là, marcher sous la mer de verre dans le ciel là. Un monde qui pat, jamais, joue même pile et l'église, ça va même intéresser le même. Il pat même repentir ou bien demander mon Dieu pardon, de mourir dans toute affaire lui. Et vous dire tel déjà dans le ciel là, marcher sous l'eau avec diamant. Bagay ça, c'est qui côté au sorti? C'est 20 Babylone, côté que on pile monde yo kwen nan bagay sa yo, frères et sœurs. Donc, nous avons couleur Babylone, bête ça, toujours nous avec verset 4, là, dit cette femme était vertu de pourpre et d'écarlate. Nous avons une couleur pourpre avec couleur écarlate dans rad monsieur sa yo. Ou après, tout monsieur sa yo, dans le Moyen-Âge, comment yo te kon habillé, ça avec couleur sa yo, vraiment. Grand-père yo, tout gros papi yo, ça avec couleur, ça yo toujours habillé. Ok? Coupe d'or ça qui remplit d'abomination, hein? C'est qui ça que lié? On dit que c'est toujours mensonge qu'il a enseigné avec l'autre monde qui en dedans l'église ça. On te parle comment l'église ça li fait messe li? On tout compte comment yo te fait messe dans tout pays en latin, côté que monde par contre ça que yo a dit. Chers frères et sœurs, je vous dis, hein? Nous voulons faire une ouverture sous deux femmes, ça y est, une femme qui campait, et femme ça lui-même, dans chapitre 12, là, nous voyons que femme ça lui-même, lui observait les commandements de Dieu. Dans verset 17, là, nous voyons que dragon va le persécuter, il va continuer bientôt. Et nous voyons que l'autre femme dans lui-même, dans chapitre 17, là, chapitre 18, là, femme ça lui-même, c'est lui-même. Qui pourra le tourner en Babylone dans le chapitre 18 là, qui transformé en Babylone. Et une des bagailles que nous connaissons de Babylone, nous parlons de Babylone, c'est côté que petite saillot, toute petite fille saillot, elle est comment? Babylone. C'est côté y a mélangé mensonge avec vérité. Nous te voyons mot Babylone là, c'est confusion. Là, nous retournons dans la Bible, dans Genèse chapitre 11, l'histoire de Nimrod, donc grand chasseur qui était premier monde qui a bâti ville. Hein? Quand il y a un que après Caïn, lui-même vient bâti ville. Finalement, Nimrod, grand chasseur, ça, il mettait le roi. Et Nimrod, nous connaît que il était marié à maman, hein? Tamise, donc on histoire Nimrod. Et Nimrod lui-même fait mieux ça pour qui ça? Pour que, s'il a pris vigne encore, pour qu'il soit capable de sauver sans l'aide de Dieu. Et nous avons une religion, ça qui a fait dans les derniers temps, qui a prêché propre message par eux. Ils n'ont pas besoin de suivre le commandement de Dieu. Juste de vous dire non, Jésus seulement sauvé. Prochaine fois, nous allons demander bon Dieu, juste quitter nos potes, non seulement. Femme, ils disent juste non seulement, nous avons besoin de potes. Donc, je dis, on ne va pas aller trop long. Non, vous voulez connaître, est-ce qu'il y a une question sur l'ouverture des deux femmes que nous allons continuer bientôt? Donc, nous joignons femme Jésus, hein, qui c'est l'église Jésus. C'est Jésus même qui chef l'église par là. Femme dans chapitre 17 là, lui-même, qui est-ce qui chef lui? Le dragon. Lorsque Jésus t'a formé l'église, hein, qui ça Jésus t'a dit? Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Qui ça Jésus t'a dit? Dans songez, lorsque Jésus t'est avec disciples, il dit, tout le monde en bas, il va parler de moi-même. Hein, qui ça nous entendait au dit de moi-même? Ça qui dit où c'est Jean-Baptiste, ça qui dit où c'est Élie, ça qui... Il dit, mais nous-mêmes, qui ça nous dit que moi y est, hein? Qui ça Pierre lui-même, il te dit, dans chapitre
16, Matthieu chapitre 16. Qui ça Pierre te répond dans verset 18 là? Hein? Verset 17-18. Qui ça Pierre te répond? Il dit que ou c'est fils de Dieu. Hein? Donc c'est vous-même qui c'est Christ. Ça veut dire c'est vous-même qui c'est. Le nom Jésus. Donc il dit que le nom anointed, qui j'en ai dit moi, ça en français encore. Oui, le oint de Dieu. Christ, le mot Christ. Donc, il dit au mot ça lui-même, Hamashia. Donc, le oint de Dieu, c'est vous-même. Et Jésus dit vraiment parole ça à Pierre, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle où. Et qui ça, Jésus te fait? Déclaration, ça, c'est une grosse déclaration. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, qui ça le dit? Sous parole ça, qui ça, Jésus dit? Je bâtirai mon église. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 16, verset 18. Pour nous montrer que l'Église par Jésus en lui-même, même quand Satan fait sale café, frères et sœurs, longtemps il était tuer les enfants de Dieu. Finalement, le parti encore, il vient entrer dans l'Église. L'Église, on te voit ça. Il vient déguiser en ange de lumière. Il entre dans l'Église, la prêcher aussi. Mais même quand il a prêché, mais depuis nous avons une Bible, nous n'avons pas prendre un faux message. Ça, parce que Jésus lui-même, l'a éclairé en tête nous à travers la Bible. Jésus te dit même quand Satan campait, est-ce que l'a cracasé l'église là, a toujours qu'on tiresse, n'a pas tiresse ça la prochaine fois. Dans Matthieu chapitre 16, moi mes déclarations ça, on a fini la déclaration ça aujourd'hui, hein, pour nous prendre question. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, dans verset Ils 17 là, j'ai. saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages Matthieu 16. Là, on a Marc 16. Mais d'abord, on a Marc 16. mortels. Sujet, ça est le baptême, moi, bam, là. Là, nous prenons le baptême, l'offre une baptisée, mais pour voir qui accompagne nous. Nous avons Matthieu 16, pas Marc. Pas Marc. Nous avons Marc. OK? Désolé. Oui, dans Matthieu 16, verset 18, Fabienne ou Carlili. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 18, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est bon, c'est bon. Juste verset 18 là. C'est très clair. L'église, ça lui-même, qui est-ce qui fondait l'église Jésus a? Femme, ça qui n'a Apocalypse 12 ans. Jésus dit, j'ai bâti quoi? Mon église, pas mes églises. Hein? S'il te dit, mais nous, actuellement, on pile l'église, tout a dit, c'est l'église Jésus. Oui. Pas grand monde qui a de l'église, dit pas bon. Tout le monde dit pas au plus bon. Et pas vrai? Tout le monde prêchait, yo même si yo la vérité, message pas au plus bon, de vous parler pas au plus bon. Mais toute l'église, ça, yo, question que je me toujours posé, combien lâches qui te gagnent dans ta noyade? T'es un seul lâche. De même que t'es seul l'église, frères et sœurs. L'église de Jésus-Christ qui a gardé les commandements de Dieu. Apocalypse 14 et 12 ans qui gagne qui ça? La foi de Jésus. Mon église, il va dire mes églises. Et Jésus, il y a une déclaration dit de que tu es Pierre. N'a pas que tu es Pierre là, en majuscule, hein? Songez grec là. Lorsque dit tu es Pierre là, dit Petros. Et que sur cette pierre, en minuscule, Petra. Donc Jésus, c'est le rocher des siècles. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. Hein? L'ancien rocher là, le rocher des siècles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Donc lorsque nous prenons Petros là, qui c'est Jésus, l'église bâtie sous Jésus. Si l'église n'est pas bâtie sous Jésus, nous pensons que l'église tape là encore. Satan fait sale café. Actuellement, moi, pile mon cap bataille. Certains que c'est eux-mêmes qui mettent l'église. Il y a un pasteur qui pense que l'église là, c'est pas au lieu. Moi, là, moi, mon bataille pour place l'église. Je n'en vais pas me dire, monsieur, si nous besoin de bataille pour bien, papa, non, maman, non, moi, qui t'étais pour nous en Haïti, nous avons bataille pour bien en Haïti. Mais il y a un monde qui chef l'église, c'est Jésus qui chef l'église. Nous avons bataille pour l'église Jésus. Nous avons bataille pour place l'église Jésus. Et Jésus, dans Colossiens chapitre 1, verset 18, Colossiens chapitre 1, verset 18, Jésus dit, c'est moi-même qui tête l'église là. C'est moi qui chef là.
Moi, pasteur, je me suis mal prêché quoi ça donc au Haïti. Et puis, pasteur l'église là, venez pour le fond qu'on a même jour baptême. Jour baptême, l'éternel te bénit, nous avons affaire de 31 personnes pour baptême. Et puis, là que les vignes, ils vont habiter dans deux, ils viennent pour baptême. Jour ça, il dit, moi, non, je vais de préparer le dernier message, moi, un message pour nous dire tout le monde merci qui t'a collaboré, et puis pour nous faire baptême. Yo. Et puis, là, on est allé changer le texte, moi. Lui changer titre message, moi. Et puis, là, il finit qu'on y a sans le bas, dit mon frère. Oui, notre conférence en dévot pour prêcher croisade là. Mais je dis encore, même moi, pasteur, moi, je voulais prêcher. Je n'ai pas de problème avec ça. Yannick change, et puis il dit, ou même mon frère, on a fait prière là pour nous, prière intercession. Et puis il me dit, pasteur, je ne vais pas finir de comprendre, non? Il dit, comment pas comprendre, non, mon frère? C'est moi qui chef ici, hein? C'est moi qui chef. Là, moi, je ris, et moi, je souris, il me dit, mes amis, oh, regardez côté Satan sorti, vous venez craser quoi ça. Là, il me dit, ou chef? Il me dit, pasteur, c'est Jésus qui chef l'église, mais. Je ne vais pas quitter la demi, faire mon yoga baptisé, non, je vais faire prière là. Mais n'a pas aller après baptême. Donc, je n'ai pas besoin de nous rester là. Mes frères et sœurs, messieurs, connaissez-vous qui chef? Jésus lui-même, c'est lui-même qui chef l'église là. Satan de mettre sauter, le mettre faire l'église pas, mais vraie l'église Jésus. Bon, tu restes à prêter, tu restes ça. Nous parlons de lui lundi prochain, Dieu voulant. Nous parlons pas en question, nous avons 10 minutes qui étaient pendant 10 minutes là. Est-ce qu'il y a une question sur l'introduction de femmes? Une femme, vertu, et de vraiment lumière sous l'île, radis blanc, les propres, et puis soleil, hein? Enveloppé de soleil, la lune sous pied, l'étoile sous tête, hein? Femme, ça, c'est l'Église de Dieu. Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc, nous vivons l'autre femme dans lui-même, qui vit dans le péché. Nous avons une femme sale, plein bijoux sous lit. Et puis, nous avons un bijou, nous avons une qui femme liée. Hein? Et nous avons petite bon Dieu, est-ce que nous avons pile bagaille sous yo? L'autre femme, ça a une femme en bouche li, toute vieille bagaille sous lit. Hein? Et là, elle finit qu'on y a, nous avons la boîte divin. Et non seulement ça, la baye l'autre monde boit divin ça. Non, jeune femme, ça a chita sous qui ça? Cette colline, cette tête, cet royaume qui baye femme, ça j'arrête yo. Non, jeune que système ça, c'est système Vatican par l'autre. Et tout, non, t'es d'où ça? Tout réformateur yo. Jean Hus, Wycliffe, hein, Calvin. Hein, Martin Luther, non, je viens tout monsieur ça, yo net, yo d'accord, des dougon livre qui est tout chemin mène à Rome, page 205, ou qu'à télécharger livre ça sur Google, yo tout yo d'accord que femme ça, pas l'autre monde que système papa là, l'église catholique avec chef li. Donc, est-ce qu'il y a une question pour nous? Est-ce qu'il y a un monde qui a une question? Réponds une question pour nos pasteurs, m'a venir dans une minute, s'il vous plaît. Si D'accord. y a une question, maître, réponds pour nos pasteurs. Nous allons aller à la question, m'a venir dans une minute. Est-ce qu'il y a un monde qui a une question? Moi, mon cousin m'a dit d'ouvrir. Mais ça m'a dit une autre. Vous avez une question, non? Non, pasteur, m'a rien, non? Ok. Amen. Amen. Oui, c'est Caline. Oui. M'te raté sa la lune, m'brie sa Jésus. La lune te représente. OK. La parole. Merci. OK. Moi, moi t'ai raté ça, la queue à représenter. Ou t'es raté, mais c'est Kaline, ou t'es raté la ligne, ou pas raté la queue. Allô? Oui, non, son joueur, tu cap joué la fête. C'est Kaline, tu dis t'es raté la ligne, t'es raté la ligne. M'attendez ou non, pasteur? Oui, c'est Karine dit qu'il a raté la lune neuve. C'est Fabien répond, il dit c'est la parole. Et puis c'est Fabien dit lui-même qu'il a raté la queue. Quand il a demandé, c'est Karine. C'est ancien. C'est La Karine. queue, c'était mensonge, mais après ça, on dit Babylone égale mensonge.
Babylone, c'est confusion, Oh. mélange de vérité et de mensonge. On dit que la lune, c'est système sacrificiel, c'est tout sacrifice qui est fait dans l'Ancien Testament. Yo. Et puis, c'est ça qui est présenté, la lune sous ses pieds, parce que la lune joint lumière dans le soleil. On dit que soleil, lui-même, justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. On débat au psaume 119, verset 105. On débat aussi psaume 84, verset 12. OK? Donc, c'est ça que notez, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a l'autre question? Est-ce qu'il y a un autre monde encore qui veut dire quoi que... Oui, c'est Fabien, nous, correct? Oh oui. Ok. C'est Carly, nous, correct? Bon, qui d'autre monde qui veut répondre encore? Qui veut poser des questions? Qui veut Oh, interagir? un petit bagage bien simple, moi, t'as dit. Ou dit comme ça que l'Église appartient à bon Dieu, mais et tout l'autre monde fait un paquet de bagages à l'Église divisée. Moi, j'ai deux pasteurs adventistes. Ils tous les deux, ils ont pas contre l'autre, non, mais ils tous les deux voulaient pour me quitter l'Église, ça, moi, et là, pour me venir joindre. Et que les moins. Côté sujet, bah, m'a dit, bon, c'est Adventiste noyé. Pour ça, nous chaque abdim, bon, bon, côté, yo, tous les deux répondent moi que chaque berger supposé chercher pour mettre brebis dans pâturage par On y a des brebis, mais il n'y a pas de brebis. Il n'y a pas de connaître où tu es pour tes brebis, non? Quand y a là où y a travail à la fin fête, on y a là où c'est brebis. Vous comprenez? Moi, étant débarrassé ça, une fois, j'étais tellement saisi, oui, et il y a un monde qui est monde par eux. Mais c'est vraiment triste dans l'évangile, là. Hein? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. J'aime que tu fasses James Bon, l'Église Adventiste, il y a une bagaille que l'Église Adventiste gagne là-dedans. Il n'est pas divisé son seul là, non, et dans le monde entier. Je ne sais pas pourquoi un pasteur a besoin pour moi, pour moi. Parce que qui pasteur a rien 10 à 15 membres, et même comme là, il y a PL. C'est messieurs protestants qui ont bataillé pour moi, parce que moi-même, j'étais là-dedans, je connais comment ils fonctionnaient. Plus même, plus l'argent qu'elle n'a pas poche. Parce que l'église a fini de faire offrande dans le dimanche. Il y a le compte comme là derrière. Il y a un droit de Jack là en 5 dollars pour prendre machine. Il y a un autre là en 2 gouttes pour prendre motocyclette ou bien ça la prend. Après ça, masque comme là, on met dans la poche, on met dans la banque. Et puis 2 3 semaines, ouais, même gros servant, même longue machine y a couru, bail peuple la poussière. Mais on passe sur Adventiste. Quitte l'église a gagné 100 membres, il gagne 200 membres. Bah ouais, pour qui ça? Pour on passe sur besoin, il y a eu deux, a besoin de faire compte pour membres. Comprenez? Au contraire, un vrai pasteur Adventiste, lui-même, rôle, c'est chercher l'âme pour Jésus. Chercher l'âme, c'est pas besoin de prendre un monde tout pareil, non? Chercher faire disciples, ou même chercher faire études bibliques. Son bagage qui est triste, l'âme, je n'ai pas pasteur Adventiste. Et puis, il me dit, mon cher, combien d'études bibliques qu'on y a ou bien là, qu'on a d'agir passer? Des fois, esprit me fait, oui. Il a dit, mon cher, il y a un droit, m'gon pile, ma baou. Quand il me dit, m'gon bon bolade, ou jusqu'à maintenant, le baham bam yon. Même qui voit qu'on est bon, qui sincère, il dit, bon, yo essaie, yo regarde nos études. Mais, c'est pas important pour yo, pour faire études bibliques, c'est juste prêcher le samedi, that's it. Et nèg, c'est eux qui prêchent seulement samedi, au plus des fois, c'est eux qui besoin de pour nous. Mais pasteur qui croit dans l'étude biblique, dans l'église, il va chercher nous. Il n'est pas croit dans l'église. Il a plus besoin de mon entrée dans l'église. Depuis mon entrée, c'est ça qui est important pour lui. On va mon côté que l'aléa, il va nous faire de l'église par l'église. Depuis mon entrée, c'est ça qui est important pour lui. Parce qu'il connaît nous, il est déjà là. On va faire ça bien. Amen. C'est très malheureux et lorsque vous entendez ça dans scène, non? Mais c'est très malheureux. Mais comme nous-mêmes, nous connaissons Berger, c'est l'éternel, son seul troupeau. Troupeau à quelque soit côté, brebis,
Yo appartenir au bon berger. Et les mêmes gagnent sur tout et bio qui est un peu partout et pas c'est si au moment ça avant conversion il bat qu'on non parce que c'était ça c'était il bat qu'on non mais qu'on y a converti ou marcher ou marcher l'église ou marcher qu'on y a les ouais qu'au cas disciple au cas disciple mais pas disciple Jésus parce que c'est l'idou ça là l'idou ça et chaque monde a battu pour rien pareil il veut dire livre à le disciple. Ben, heureusement que ou a franchi. Pas de problème, ou aller adorer n'importe côté. Mais le fait que mon nan dit ça fait que les 8 ans sous intelligents, on pourrait que c'est les barrer l'eau pour venir suivre Christ, mais l'eau pour venir faire commérage, pour venir faire combat avec. Alors, ou même cap qui attendait, on va pas apprécier à sa juste valeur, mais c'est vraiment malheureux que vous dites que c'est pas sur Adventiste. Oui, c'est vraiment malheureux que vous dites que c'est pas sur Adventiste qui a fait travailler ça. Ça a étonné en pile, en pile, en pile, en pile. Ça a étonné en pile. Et bon Dieu a pris un autre. Maintenant, on a vu là, dans le dernier temps, ça, non, il est là. Nous avons besoin plus convertir, plus. On a besoin de plus convertir. Ça fait qu'il y a un problème ou un problème dans le milieu évangélique haïtien, surtout. Dans le milieu évangélique noir haïtien. On est public haïtien. Et puis, et nous avons bon autre public qui est vraiment largement large, mais que la négociation, c'est que vous parlez, ça fait yo pas étendre l'évangile avec d'autres nations. Qui bon côté yo, qui peut-être il était capable, mais c'est ça que fait, il y en a goumé, il y a bataille, il y en a bataille pour faire disciple, pour faire monde, ou bien pour monde venir joindre. Pas qu'on a qui fait. Mais on se le bagaille, bon, tu as pris note. En tout cas, moi, ça fait me triste, ça fait me triste. Oui, Frère James, c'est bien, on a mis fin, oui, nous arrivons à 21h01. Donc, Fabienne. la mettre. C'est Fabienne. Oui. Juste avant que nous prions, dis-moi, il y a trois études bibliques pour vous, entendez? Oui. Dis-moi, il y a études bibliques pour vous, après, si vous avez intéressé tout. Oh. La majorité de fois, mon ouais, qui a fait ça, vous ne pouvez pas faire une étude, vous ne pouvez pas chercher un homme, vous avez tout pareil. C'est ça. Mais c'est correct, c'est humain. On est Moi, parti humain. t'ai demandé une pour étudier avec moi. Il était toujours dit me l'a venir, mais pas jamais venir. Bon, ouais, ou pour samedi, ou juste pour verre, oui. C'est juste pour montrer que c'est, j'aurais même pas tout pareil. Parce que ouais, c'est ça. Donc, c'est triste. Donc, chers frères et sœurs, nous voilà terminés. Donc, on a continué. La prochaine fois, si nous voulons, donc, on est le jour lundi, excusez-nous, c'est le jour que nous.